Salut tout le monde, c'est Femi Mars et aujourd'hui on se retrouve sur Diablo 3, enfin une toute nouveauté qui vient tout juste de sortir. Donc je remercie Blizzard de nous avoir, sorti une bêta pour avoir un petit aspect du jeu. Donc alors comment ça marche? Alors on a fait un Demon Hunter. Là il y a des sorts. Alors. Oula, on peut tirer des flèches, ouais. Où va-t-on, les amis? Donc ouais, on l'attendait tous, ce jeu, les amis. Blizzard nous a proposé une bêta qui... certes, ça bug un peu, mais faut pas s'attendre à grand-chose. Hein, c'est quand même une bêta, faut pas surestimer les petites bêtas. Donc voilà, j'ai enfin réussi à rentrer dans le jeu, parce que depuis tout à l'heure, genre, j'y arrivais pas. Voilà, on tue des zombies qui sont sur le chemin, c'est super. Alors, comment ça se présente? Skills. Ok. Il sort. Inventory. L'inventaire. Quest and Journal. Les quêtes. Et le game menu. Bon, alors, on apparaît dans un monde, complètement dévasté. Captain Runfall. I have journeyed here to find the fallen star and purge its evil from this land. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Runford. Donc en résumé, il y a qu'une seule survivante. C'est Leah. On va essayer de la trouver, hein. Donc voilà, à première vue, Attendez, je vais essayer de mettre les graphismes au max. C'est déjà au max, de toute façon. Voilà, c'est déjà au max. Sauf le shadow, hein, mais bon. C'est pas grave, donc voilà. Alors, voilà, on assassine des mecs, on est un Demon Hunter. Je sais pas comment ça marche, je crois qu'il faut juste cliquer sur l'ennemi, on me tue. Oh non, ah non, faut spammer carrément. Donc, excusez-moi, hein, c'est la première fois que je joue à Diablo. Je connais pas trop l'histoire, malheureusement. Donc dans les commentaires, si quelqu'un pourrait rapidement me résumer l'histoire, ça serait sympa. Ou tout simplement, j'irai chercher sur Wikipédia. Ça doit pas être difficile à trouver. Donc là, il y a des quêtes. On peut voir la carte ici, là. C'est assez sombre, hein. C'est glauque un peu. Attendez, on va regarder les quêtes. The Fallen Star, talk to Leah in the Slaughtered Calf Inn. Inn, tout simplement. Ça veut dire auberge. Donc là, on peut acheter des armes. Malheureusement, on a zéro. Donc, ouais. Super. Là, il y a un coffre avec des potions. Ah, c'est un vendeur. Ok, d'accord. Donc, faut aller là, les amis. On rentre tout de suite. Hein. Voilà, The Slaughter Cove Inn. You can see villager. Oh là là. Mais c'est vraiment le chaos. Leah, is it? Voilà, c'est... Rumpel said that you survived the Fallen Star's impact. I did, but it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but watch out! Wow, il se trans... Oula! Piqué ou quoi? Wow, les amis, vous avez vu l'animation quand on up de niveau? C'est quoi ce... C'est un truc de ouf? Voilà, alors... Je crois qu'il y a une contamination ou un truc comme ça. All, unless something is done. Then I shall put an end to them and secure your town. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. Donc les amis, on a un nouveau sort. New skills. Donc voilà, c'est Impale. Throw a knife. Ok, d'accord. Voilà, on accepte. Donc normalement, quand on va faire clic droit, voilà, ça va envoyer des petites fléchettes, enfin des petits couteaux. Hein. Y a un marchand, comment il peut vendre
pendant cette période. Il y a des zombies qui ont spawn dans son auberge et le mec il continue de vendre ces petites merdes là de potions. Ouais bon, j'ai rapidement, quand j'étais petit, hein, j'ai joué à Diablo 1, qui était à l'époque assez beau, hein. On va pas s'en plaindre. Mais je me souviens que ce jeu me faisait hyper peur parce que justement, il montrait souvent dans la page de chargement quand on rentrait dans le château, l'image d'un, bah je crois que c'était Diablo, hein, d'un monstre qui était juste horrible. Et il me faisait trop peur à chaque fois qu'il y avait la page de chargement, et bah... Je pleurais, je criais et tout, j'étais avec mon cousin. Et voilà, donc depuis ça m'a choqué, mais maintenant j'ai grandi. Enfin, j'espère que j'ai grandi, oui, parce que j'ai 18 ans et on continue et ça me fait pas peur. Donc on va revoir le Capitaine Rilford. What can I do to help fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. Ça c'est l'accent anglais, mais pur English. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. Voilà. Donc les amis, boum, ils nous attaquent. On va lancer des couteaux. Si on fait des clics droits, ça balance des couteaux sur les mecs. J'aime bien. Voilà. Kill the wretched mother. Désolé pour mon accent. Oula. On a loot un clothes pants, soit un pantalon qu'on va faire glisser ici. Voilà, on est hyper fashion. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world. Non mais sérieusement, on s'en fout, allez, on continue. Alors, waouh, là on s'aventure dans les profondeurs de la terre. C'est quand qu'il fait jour là? Oh là là, wow, ça fait peur. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut zoomer si on fait Z. Et non. Hop. Alors, ah oui, il y a qu'un... Là, il y a des zombies sur le chemin, les amis. On va les abattre. Ils sont vraiment bêtes. Oh là là, il y a un gros zombie, là. Mais c'est trop stylé, ce mode de... Oh, un élite, les amis. Donc, on va se déplacer, hein. Il a réussi à me toucher. Oh, on a loué des trucs. Waouh. Donc on a juste à passer dessus, je crois, pour ramasser. Voilà. On ramasse tout, les amis. Et là, ici, là, cette sphère, ça doit être votre vie, oui. Il y a marqué life. Alors, dans l'inventaire, waouh, on a loué pas mal de trucs. Une magic armor. Et un axe, mais je sais pas si on va le prendre. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Damage 4,7 et nous 2-3. Bon, c'est beaucoup mieux, mais on peut toujours envoyer les couteaux. Voilà, en plus, notre truc brille. Ah bah, qu'est-ce que c'est? Il mange des humains? Pourquoi il tape pas? The skill requiert a different weapon. D'accord, donc en fait, je crois qu'on peut l'équiper, mais qu'on peut pas se battre avec. Donc voilà, on peut pas se battre avec, les amis. On va changer ça tout de suite. Alors. Hop. C'est un peu bête. Voilà. Là, on peut se battre avec ça. Il y a quelque chose... Donc ça, c'est glauque, hein, les amis. C'est très, très sombre. Hein. Comme les anciens Diablo. J'ai envie de vous dire. Là, il y a des monstres. Mais franchement, le système... vue d'en haut, là, une vue aérienne comme ça, c'est hyper fun. Et à mon avis, les sorts doivent envoyer du pâté. Hein. Voilà, on envoie des couteaux. C'est du bash intensif, en fait, tout simplement. Voilà. On clique dessus, ça le ramasse. Alors, on va quand même vérifier la quest. Oula, j'ai claqué une potion. Quest and journal, c'est J. Journal. Ok, bon, on s'en fiche. Quest. Kill the wretched queens in the old ruins. Donc, de toute façon, je l'ai même pas vu, mais on a les objectifs sur le côté. Donc, on se balade. Hein. Il y a plein de zombies.
des citrouilles. Qu'est-ce que c'est que ça? On arrive à se faire de la thune assez facilement. Hein. Oula! Belle tunique. Donc, Inventory E. Un en armure, malheureusement. Ouais. Là, on a 6 en armure, donc on est niveau 2. J'espère qu'on va pouvoir débloquer des skills. Comme dans tous les jeux bizarres, on peut voir l'heure ici, 17h40. Voilà, hop. Oh, Vampiric Simple Dagger. Bon, c'est des trucs magiques. Est-ce qu'il peut se battre avec les dagues? Ça, la question aussi, parce que s'il peut se battre avec... On a loué des gants, qu'on va équiper immédiatement. Non, il peut pas. Non, à mon avis, non, je sais ce qui va pas. Il faut aller dans skill. Il faut changer. Non, mais non, il peut pas se battre avec les dagues. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Ah, il peut pas. Donc on va rééquiper notre notre crossbow, notre arbalète. Et voilà, on s'aventure dans le jeu. Je sais pas où on est, les amis. Mais bon, ça c'est cool. Ouh là là. Avec une flèche, ça fait tout ça. Et ben, ouais, il y a des zombies, c'est... Oh, excusez-moi. Voilà, on lance des couteaux, on a un coup. Voilà, le mec qui... Wow, il rampe. Oh putain, il m'a fait peur. Parce que désolé, j'ai un casque bit sur ma tête. Et waouh, les bruits... Enfin, ça, vu que c'est à fond, ça m'a fait un peu sursauter. Donc, on continue. On ne sait absolument pas où aller. Enfin, si, il y a marqué, mais il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Et à mon avis, c'est pas par là. Là, il y a des zombies. On voit pas les niveaux des zombies. Ils nous envoient des crottes de nez. C'est assez nul. Le sang est hyper bien fait, les amis. Mais j'espère que pendant tout le jeu, c'est pas sombre comme ça. Parce que sinon... enfin... Oula. Ah, il y a un journal. Donc si c'est sombre comme ça, ça va pas le faire. While exploring a cave with hopes of finding hidden treasure, I came upon a most grisly sight. A heap of dead bodies. Unbelievably, as I was searching them for any items of value, they began to rise. I must tell them of this and New Tristram before it's too late. D'accord, donc j'ai rien compris, vu que c'est en English. Bon, en résumé, il y a un mec qui... Oh! Westrand Mother. On a tué deux. Oh là là, mais c'est quoi? C'est quoi ça, les amis? Lost Connection. Donc voilà, on se retrouve juste après le lag. Mais faut dire quand même que la bêta, il y a tellement de monde qui joue dessus que voilà, tout lag tout simplement. Là, je suis pas sûr que je vais pouvoir me reconnecter. Ça a vraiment du mal, hein. Je sais pas si ça vient de moi. Ou en général, parce que... voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est impossible de jouer à la bêta. En fait, faut spammer le truc resume game, mais bon. Fallait pas s'attendre à grand chose, hein. Faut attendre tout simplement la sortie du jeu qui... je crois qu'il sort dans environ un mois. Un truc comme ça. Mais à première vue, le jeu est assez sombre et il est très bien. Il est très bien fait. Voilà, donc c'est un autre univers. Hein. Oh là là. Donc voilà, ça vous donne un premier aperçu. Hein, mais bon, la bêta, c'est autre chose complètement. Ça n'a aucun lien avec le jeu. Parce que quand on achètera le CD et tout ce qui va avec, ça marchera du premier coup. Mais là, voilà, on peut pas. Donc on va regarder c'est quoi ça. On dirait une guilde ou un truc comme ça. Choisir la couleur, mais bon, hop, on va refaire. Ça me met qu'il y a une erreur. Bon. Je suis désolé, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Bah, depuis vendredi, ça nous fait ça à peu près. Hein.
Donc voilà, on a réussi à se connecter, les amis. On va essayer de... Où est-ce qu'on est? Bon, voilà. Je sais pas où on est, mais bon, on voit les zombies. À mon avis, les gros porcs, là, comme celui-là, ça doit être... Ils doivent faire des trucs. On dirait un Walking Dead, sérieusement. On dirait un Walking Dead, le truc. On massacre des zombies à longueur de vue. Voilà. Continue. Ah, mais on est déjà venu ici. On va bientôt hop les amis. Ah là on est trop un couteau dans le vide. Quand on fait clic gauche enfoncé, bah ça nous fait avancer. Tout seul. Est-ce qu'on peut jouer avec les flèches? Non on peut pas. Là, c'est pas par là. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent être déjà HL avec la bêta. Moi personnellement j'ai été chargé hier mais hier ça ne marchait pas, on avait des... Blizzard avait des petits problèmes. Il a fait une petite maintenance, excusez-moi, pour régler le problème. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il gerbe. Ah, Watchfield Mother. Voilà, on a réussi. Oula, ça c'est... Mais c'est vraiment glauque hein. Oh, on a débloqué un nouveau... Oh, mais mon dieu, c'est horrible. On a débloqué un nouveau skill. Alors, inventory. Voilà, bon, là, au niveau des armures, on a the best ever. Nouveau skill. Donc voilà, non. Ça doit être là. Voilà. On va prendre ça pour test. Je ne sais pas à quoi ça correspond, les amis. Ça m'a l'air quand même assez... Ah bah voilà, ça correspond à ça, les amis. C'est stylé, des douilles... voilà, des douilles sombres. C'est le tir normal. Waouh! Donc on commence à... comment dire? Commence à être assez cheaté. Là on voit notre mec qui se balade, on va mettre à la première personne. Enfin je vais dire qu'est-ce que je dis. On va faire un petit zoom plutôt. Des barils. Mais on sait pas où aller en fait. Quest. Je sais pas s'il y avait une carte ou un truc comme ça. Kill the Wester Queen and the Wester Mother and the All Rings Mother. Ok, mais une fois qu'on l'a fait. Il faut aller où? Là, on sait pas où aller. Traveler journal. Ouais, tu vois, si j'étais bilingue encore. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas bilingue. Je suis assez fort en anglais, mais bon, voilà quoi. Je sais pas. Oula! Ah! On encercle les amis. Voilà. Oula! Voilà. Enfin un peu d'action. On les enchaîne. Ce perso est vraiment bien, je vous le conseille. Hein. Bon, je vais pas tester les autres, mais à mon avis, le Barbarian et tout ce qui va... Le Wizard a l'air assez fort aussi. Je trouve qu'on loot assez facilement. Donc voilà, on a fait un petit carnage. C'est une auberge dégoûtante. Enfin, une salle dégoûtante. On va sortir et on va essayer de tuer la Westeros King. Queen, excusez-moi. Alors... du zombie, enfin du zombie. Il y a marqué Sharon. Donc en fait, ils partagent leur souffrance, on dirait. Adventurous Corpse, ok. Il y avait un journal. Donc, mais il y a des zombies partout. Hein. Voilà. On dirait qu'il l'utilise, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, on a juste à passer dessus. Là, il y a du zombie, les amis. Vas-y, on va les cut. C'est tout gros, là. Oh! Oula, oula. Il a mis un petit headshot. Oula. On se prend des douilles. Ah, c'est elle! Ah non, elle, c'est une mother. Il faut qu'on trouve la reine, justement. Hop.
Voilà, je trouve que ça ressemble vachement à Cabal, sauf que Cabal était c'était la même vision que WoW. C'est un vrai MMORPG, mais là, la vision est aérienne, donc on voit tout ce qu'il y a autour. Voilà, on continue. Je sais pas où on va, on sait absolument pas où on va. Ah, le mec gerbe des d'autres zombies. Attendez, là, c'est quoi ça? Oula, exceptionnel club. Voilà, on l'a ramassé, mais ça, c'est quoi? Le facile génétique. Resource used to fuel the demon hunter of a ship ability. Ok, d'accord. Donc, faut pas l'avoir trop bas, ce truc. Checkpoint. Voilà, il y aura un zombie, non? Bizarre. Old Tristram, Diablo's evil still lingers here. C'est vraiment glauque, les amis. Depuis tout à l'heure, on voit les mêmes, on croise les mêmes monstres. Ah, il y a quelque chose qui a bougé derrière la maison. Oula, la maison s'est écroulée. The rumors of torture and worse grow every day. What has happened to Tristram and its people? Je kiffe les voix. Wow, c'est la queen, les amis, on l'a trouvée. On va essayer de se la faire. Voilà, raccourci. Voici, si on a vraiment un problème. Une drink aura. Oula. On va utiliser les couteaux. Ah, il y a la vie là. La récupérons. Voilà, allez. On va la tuer. Et on va la tuer. On va tuer la queen. Complete, complete, complete. En fait, il faut juste suivre le chemin. Oh, on a eu un beau, là. Un arc. Waouh, tout ce qu'on a, là. On va tester l'arc. À mon avis, il peut tirer des flèches. Ouais, il veut tirer des flèches. Donc, 6, 1, d'accord. 2. Ouais, bon, on a que des trucs en bois. Simplement. Voilà, on va continuer. Use the Orin. Talk to Captain Rumford in the new. Ok, current location. On peut se téléporter. Voilà, ça m'a téléporté. Je sais pas, hein, c'était une sorte de téléporteur. Voilà. Checkpoint. Come, let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Okidok, donc on a une nouvelle quête. On va la faire rapidos. Ah bah elle nous suit. Voilà, on peut enfin vendre. On va vendre. Clic droit. Voilà. Clic droit. Clic droit. Bah, vu qu'on est un archer, on peut pas utiliser tous ces objets. À moins que peut-être qu'il y a des maîtrises ou des trucs comme ça. Voilà, on vend tout. On est déjà riche. Buy back items. Ah, c'est ce que j'ai vendu. Armor, voilà. Donc là, il y a des trucs pas mal. Du pantalon. Là, il y a un shield. Voilà, on va acheter des chaussures, les amis. On va les équiper pour inventaire. Bon, franchement, ce jeu est très fun. Je commence à apprécier, là, je commence à comprendre. Et, you can visit mansions. Ok, d'accord. Donc, il faut réemprunter ça. Et il faut aller The Orins. C'est les portes. Donc, le jeu est juste sublime. Le gameplay est magnifique. La prise en main, c'est hyper facile. Il y a deux boutons principaux, clic gauche, clic droit, deux sorts différents. Et voilà, j'ai l'impression que ce sera sombre comme ça pendant tout le jeu. À mon avis, ouais. Mais vu que je connais pas trop bien Diablo, ça m'étonne un peu. Donc là, il y a un. Oula, il a joué mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment le chaos, mais il s'est passé quoi en fait? Je chercherai sur Wikipédia et voilà. On continue, on traverse un petit pont, on a un arc.
Ah, lui a fait. C'est en anglais, hein. Alors. Search. Look, a hidden cellar. Follow me. Ils sont morts. On descend. Your mother had her secrets. People said she was a witch. On voit absolument rien. C'est un petit donjon, les gars. On a trouvé une potion. Oula! Il y a un boss, les amis. Enfin, une sorte de mini-boss. Ouah, c'est quoi ce bordel? Aïe. Ouah. Ouais, mais ça c'est chaud, le mec va hyper vite. Et en plus, vu qu'il y a la latence, ça arrange pas les choses. Il y a la latence. Regardez. Quand le mec me tape et que je laisse. En fait, il faut se barrer. Ouais. Je viens de comprendre. Vu qu'il y a la latence, le mec peut me taper, mais d'hyper loin. Ah là, il m'a tapé là. I require aid. On peut faire. Oh là là! Dès qu'on est pratiquement mort, il y a du sang qui tourne autour. Voilà, on casse une potion. Mais c'est saoulant ce truc là. Comment on fait pour l'esquiver? Là, c'est bon, là, je suis hyper lent, il peut pas m'avoir. Voilà, regardez. C'est impossible de le tuer. Voilà, on va lancer les couteaux. Voilà, on a eu. Voilà, on a réussi à tuer ce fou. Il n'y a que des zombies en fait. And my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will go. Stay here and learn what you can. Thank you. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Choose new skill. Regardless. On a. He's headed. Place trap. C'est un piège, les amis. The shadows close in on Tristram. Donc alors c'est un. But like voilà, et ça pose un piège. I'll be gone before they fall. Ça a l'air cool. Voilà, plus on monte de niveau. Attendez, on va retourner sur ce qui est. Parce que c'est cool là. On a lutte une épée. Il peut pas l'utiliser malheureusement. C'est pas dans ses gènes. Hop là. On va monter. Oula, il y a des mecs dans la maison. Donc voilà, on peut poser des pièges désormais. On va continuer vers le haut. Comment passer de l'autre côté? À mon avis, c'est par la maison. Voilà, on peut continuer vu qu'ils ont défoncé la porte. Mais pourquoi arrêtez de bouffer des autres mecs là, c'est bon, ils nous ont rien fait. On va poser le piège pour test. Oula, ça les a bloqués, voilà, ça les a ralentis, immobilisés. Déjà qu'ils étaient pas rapides à la base. Voilà, hop. Alors, attendez, juste j'ai oublié le nom de la classe de mon mec. C'était un Hunter, je crois. Demon Hunter, voilà. Donc alors, un coffre. Wouah, c'est cool ça. Achievement Scavenger. Ok, d'accord, donc ça va avoir 5000 gold. Bah voilà, hein. 5000 gold, c'est bon, on les a. C'est pas très dur. Voilà, on peut mettre une ceinture, on va l'équiper tout de suite. Donc c'est clic droit pour équiper directement, j'avais pas vu. Continuons, on traverse un pont. Hein. Ça change de tous les jeux de Blizzard, hein, sérieusement. Entre StarCraft et ça, c'est complètement différent. C'est deux univers complètement différents. En même temps, il n'y avait aucun lien, hein, entre ces deux séries de jeux. Ah bah, j'ai trouvé comment enchaîner des ennemis sans me déplacer en même temps. Il faut juste faire clic gauche enfoncé. Donc alors, pour télécharger cette bêta, c'est simple. Bah attendez, juste avant de vous dire comment la télécharger, c'est juste pour vous dire que la bêta en fait est valable jusqu'au lundi. Lundi 19h je crois, donc il faut se dépêcher de la télécharger. Et pour la télécharger, il suffit de vous créer un compte BattleNet.
Vous allez sur le site de Bizarre. Oula. Oula, oula. Vous allez sur le site de Bizarre et voilà. Ensuite, vous allez dans vos options Battle.net et normalement, il devrait y avoir un topic, un petit truc sur Diablo 3. Vous cliquez et voilà, vous pouvez commencer à jouer à la bêta. Voilà, on rentre dans un château, une cathédrale. On va le cut. Hop. Bon, j'aimerais bien avoir des sorts de ouf, mais à mon avis, je les aurai pas maintenant. Oula, c'est quoi ce freeze? Ah, on est dans le niveau 1 de la cathédrale, les amis. Où est-ce qu'on est? Waouh, c'est hyper beau. So this is where the star fell. My quarry must be near. Donc notre mec est schizophrène, hein. Il faut le dire quand même. Oh là là, mais il y a des zombies partout, il y a que ça, zombies, zombies. Zombies, zombies, que des zombies, des villagers. Genre. Voilà, là, en fait, je... Wow ! Un gros porc. On va le cut. Ah ! On gagne beaucoup d'XP avec... avec ça, mais... Oula ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oula ! Je fais des trucs, mais sans faire exprès. Il y a des petits dragonnets. My hatred is too low. Ah mais ça... Wouah! Ah! 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 C'est quoi ça? Ah! C'est quoi? C'est dégueulasse! Le mec a chié des serpents. De son bide. Oh. À mon avis, ça doit être la cathédrale... La grosse cathédrale. Les grotesques may seem slow and senseless. Ok, ah bah on peut les avoir d'ici. Ah non, ça aurait été beau, on aurait pu farmer du meuble. Oula, il y a du monstre. Alors on se prend des couteaux. On va poser des pièges. A mon avis, ça use de la magie, voilà. Ça use de la magie, ça use ça là. Oula, 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 on encercle les amis. Aïe, 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 aïe. Putain, ils sont très forts. Ah, c'est impossible! On n'est pas assez fort pour se battre comme ça. Pose un piège. Mais comment vous voulez que je me fasse tout ça en même temps? Comment ça? Ah! Non! Non! Sors, 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 sors. On est quasiment mort, les amis. On va certainement mourir. C'est chaud, hein. Dès le début du jeu, c'est déjà hot. Vite. There are no more potions. Comment on sort d'ici? Faut courir ou quoi? Mais c'est... C'est quoi? C'est trap-trap? Oh. On a pas assez de sorts en fait. Waouh, waouh. Il y a des humains. Ils vont peut-être pouvoir m'aider. Waouh. Je ne comprends rien à ce jeu. Ah. Sérieusement, depuis tout à l'heure, ils me poursuivent. Putain, d'accord. On fout des pièges partout. Allez, sois moi, sois moi. Tous ces petits dragonnets, alors on voit. I need more hatred to do that. On a plus de potions en plus. Comme ça c'est réglé. Oh là là les amis. On est mort. Voilà, you have died. Waiting. Voilà, at last checkpoint. Voilà. Bah tout simplement on n'est pas assez fort pour tuer des mecs comme ça. Donc bah les amis, c'était un aperçu de Diablo. Hein. Bon franchement le jeu, je vous conseille de vous l'acheter quand il sortira, ça en vaut la peine. Hein. Parce que là c'est au début du jeu, c'est pas hyper intéressant, on n'a pas trop de sorts, on sait pas trop, ça bug un peu et tout, donc voilà.
Donc bah voilà, bah sur ce, si toi t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à claquer des j'aime et n'hésite pas à commenter cette vidéo si ça t'a fait plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes de n'importe quoi. Hein. Donc allez, ciao!